élu délégué du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, CNJC, du département de Divo le 4 juillet 2021, Djiwa Jaurès Kofi a été officiellement investi le samedi 23 avril 2022. Les populations venues des quatre coins de la région du Lot Djiboua ont pris d'assaut la cour de la mairie qui a abrité la cérémonie d'investiture du délégué départemental. Cette cérémonie était placée sous le coparrainage du premier vice-président du conseil régional du Lot Djiboua Philippe Krajbé et opérateur économique, connu sous l'appellation des jumeaux suprêmes, Diakité Alassane. Respecter les institutions à sa prise de parole, Philippe Krajbé a appelé ses pairs de la région au respect des autorités. Quand on est jeune, on doit l'être pour tous. Nous devons éviter d'être pro ceci, pro cela. Nous devons rassembler à travers nos discours, a dit le parrain. S'abstenir de tout acte de vandalisme pendant les périodes électorales. Alassane Diakité a, pour sa part, salué la force et le dynamisme du nouvel investi. Il a ensuite engagé la jeunesse au travail qui, selon lui, pourra éviter à cette jeunesse de tomber dans la facilité. Le président national CNJC, Diabaté Ibrahima, a, quant à lui, exhorté tous les jeunes au sens du civisme, au respect des institutions de l'État. Surtout de s'abstenir de tout acte de vandalisme pendant les périodes électorales, et de mettre l'intérêt de Divo en avant. Il a par ailleurs invité tous les jeunes du département à se rapprocher davantage de cette fête hier qui est la leur. Promotion d'un climat de paix dans son discours, Jaurès Kofi Djiwa a invité ses confrères à prévenir tous les foyers de violence afin de préserver le climat de paix, de cohésion et de fraternité entre communautés. Car sans la paix, nul ne peut travailler convenablement. J'invite donc tous les jeunes à s'approprier le KNC, qui est la fêtière fédératrice de toutes les sensibilités de jeunesse. Seule l'unité des peuples et la solidarité de ses dirigeants garantissent la grandeur des nations, a-t-il fait savoir. Lire aussi promotion de la jeunesse, un cabinet forme plus de 200 jeunes au métier de l'hôtellerie. Il a rappelé aux autorités que la jeunesse régionale compte sur leur accompagnement afin d'œuvrer à la formation des jeunes. Ainsi nous atteindrons aisément notre but principal résumé dans la syntaxe suivante, une jeunesse de qualité, gage de développement durable. C'est tard dans la soirée que les délégations se sont séparées dans une ambiance festive.